Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, Freedom News Network. C'est incontournable, c'est grâce à vous. On a des correspondants bénévoles partout qu'on remercie, qu'on salue, des gens qui sont à travers euh, les, quatre, les, les quatre coins de la planète, qui nous envoient des liens, des messages très, très, très pertinents et on les remercie. C'est lundi le 26 août 2019 qui continue à avancer tranquillement, 21h47, avec euh, des nouvelles justement de Anne qui nous envoie beaucoup, beaucoup de liens sur l'activité sismique et volcanique en grand minimum solaire. Et c'est documenté, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Il y a une intensification de l'activité sismique et volcanique et ça ne cesse pas et ça confirme exactement euh, ce cycle hein, et cette théorie. On va aller voir ça tout de suite. On a Krakatoa qui est actuellement en, en éruption et on vient d'émettre une nouvelle mise à jour des éruptions et ça nous donne ceci avertissement d'éruption de cendres, code de couleur de l'aviation porté au rouge. Aujourd'hui, ça, aujourd'hui. Ça, c'est une, une vue de l'observatoire vers le volcan Krakatoa caché dans la brume du soir. Une nouvelle phase éruptive est en cours. Il semble être plus fort que les explosions intermittentes qui se sont produites sporadiquement au cours des dernières semaines, alors que l'Observatoire des volcans a augmenté le code de couleur en rouge. Le texte suivant provient de la note d'avertissement originale adressée à l'aviation il y a quelques minutes à peine. Éruption avec nuages de cendres volcaniques. L'émission d'éruption et de cendres se poursuit. Hauteur des nuages volcaniques. La meilleure estimation pour le sommet du nuage de cendres est d'environ 822, euh, 822 pieds ou 257 mètres. Au-dessus du niveau de la mer, peut être supérieur à ce qui peut être observé clairement. Source des données hauteurs, observateurs observateur au sol, dont Krakatoa qui continue et continue et continue. Et on a aussi un autre volcan, lui aussi, euh, dans euh, le Pacifique. Et c'est le volcan euh, Assama de l'île de Honzo. Petite nouvelle éruption. Une, une autre petite euh, éruption s'est produite sur le volcan hier soir à 19h28. Alors, local, 600 mètres au-dessus du cratère actif se sont envolés des cendres. Une éruption similaire avait eu lieu le 7 août, j'en avais parlé. Donc, est-ce qu'on aurait de l'activité sismique dans ce coin-là Tout est possible. Il faudrait peut-être s'attendre à un tremblement de terre éminent, d'après moi. Euh, dans les prochaines 48 heures, donc beaucoup d'activités, ça ne lâche pas et ça confirme exactement ce qu'on dit, intensification grandissante dans un minimum et grand minimum solaire. Je vous reviens.